Alléluia, gloire à Jésus. Peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Jésus pour sa grâce dans ma vie. Je suis votre bien-aimé, le docteur Silas du groupe Jésus revient. Nous sommes à la cinquième partie de notre série d'enseignements sur les sept aspects doctrinaux et prophétiques du trône de Dieu selon les dispensations. Les sept aspects doctrinaux et prophétiques du trône de Dieu selon les dispensations. Par la grâce de Dieu, nous avions vraiment enseigné la parole. Nous avions enseigné les Écritures, révélé les choses cachées des Écritures, afin que le peuple de Dieu puisse vraiment comprendre, avoir la révélation de la parole. C'est ça notre objectif. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Prions. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te bénissons. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes d'enseigner ton peuple, de continuer cette série d'enseignements qui est vraiment très édifiant, qui est très, très, très édifiant, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus, que ton esprit prenne contrôle, que la chair et ses œufs soient écaqués et que la révélation, que l'inspiration du Saint-Esprit nous accompagne, nous dirige, afin que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Seigneur, que le peuple de Dieu soit nourri, édifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Le sous-thème de la cinquième partie est intitulé comme suit: comprendre le trône de la droite de Dieu, c'est-à-dire le deuxième niveau de sept aspects. Nous avions parlé du premier qui est le trône éternel, et après le trône éternel, nous avions parlé de comment le Dieu éternel s'est interféré dans le temps. Premièrement, au commencement, pour créer toutes choses, c'est là que nous parlons de la première introduction du Christ dans le monde. On parlait aussi de la seconde introduction du Christ dans le monde au temps du salut, pour accorder le salut à l'humanité. Cette introduction du Christ dans le monde, la seconde fois qui s'est achevée à l'œuvre de la croix. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous voulons parler du second niveau qu'on appelle le trône de la droite de Dieu. Alléluia. Nous avions dit dans les enseignements précédents, nous avions dit que après l'œuvre du commencement, après la création, le Christ ayant été introduit, c'est-à-dire la parole engendrée ayant été introduite pour pouvoir créer les choses, lui, ayant un corps spirituel, après avoir tout créé, est monté sur le trône de la gloire. Et ce trône de la gloire est un trône dans le troisième ciel qui fait partie de cette création. Alléluia. Or, l'éternité, c'est le siège même de Dieu, le siège même où Dieu est Dieu éternel, où Dieu ne change pas dans sa nature, il demeure le même éternellement. Et nous avions expliqué que cette éternité qui est le septième ciel est le siège même de la perfection. Donc quand Dieu s'interfère dans le temps, nous parlons de l'œuvre de Dieu dans le temps. Et c'est là maintenant que Dieu qui est éternel vient dans le temps pour pouvoir opérer, pour pouvoir créer. Maintenant, quand Dieu quitte l'éternité pour pouvoir opérer dans le temps, par quel moyen Dieu qui est éternel opère dans le temps? Nous avons compris que ça, c'est le Christ. Il opère par le Christ, car le Christ est de Dieu selon les dispensations. Maintenant, le Christ qui est l'œuvre de Dieu selon les dispensations, le Christ a une position dans le troisième ciel, c'est-à-dire dans le temps, dans sa royauté. Sachant qu'il est Dieu éternel dans le septième ciel, dans le ciel le plus parfait, il est Dieu éternel, il a aussi une position dans le troisième ciel. C'est là que nous parlons de l'empreinte de la personne de Dieu, l'empreinte de la divinité, c'est-à-dire l'image du Dieu invisible. Donc tout ce qui est dans le troisième ciel est le reflet spirituel de ce qui se passe dans l'éternité. Alléluia. Que le Seigneur Jésus soit glorifié. Et beaucoup ne comprennent pas pourquoi nous parlons du septième ciel, du troisième ciel. Je l'ai expliqué dans les enseignements précédents en disant que quand nous parlons du septième ciel, nous voyons le ciel le plus parfait, le tabernacle le plus grand et plus parfait selon le livre de Hébreux 9, le verset 12. Le tabernacle le plus grand et plus parfait. Christ a pénétré ce tabernacle, c'est-à-dire c'est là il régnait dans l'éternité avant même d'entrer dans le temps pour créer, pour opérer, pour sauver. Alléluia. Donc le septième ciel, ce n'est pas selon les niveaux du ciel, des cieux plutôt, où on va dire que premier ciel, second ciel, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Non. Le septième ciel n'est pas le septième niveau des cieux. Non. Le septième ciel, c'est selon la révélation. Et selon la révélation, nous comprenons que le septième ciel, c'est le lieu le plus éternel, le lieu où Dieu existait. C'est-à-dire le Christ demeure d'éternité dans le septième ciel, c'est-à-dire la perfection. Et quand nous parlons du septième ciel, nous voyons le chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection. Donc, nous voyons que dans les Écritures,
le septième ciel est plusieurs fois mentionné dans les Écritures. Mais non, ce n'est pas littéralement. Le septième ciel n'est pas écrit littéralement où nous allons voir avec nos yeux. Chanel écrit littéralement septième. Non. Mais c'est plusieurs fois écrit. Quand nous voyons trône éternel, quand nous voyons dans l'Écriture le tabernacle plus grand et plus parfait, quand nous voyons dans l'Écriture la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, quand nous voyons dans les Écritures, là où Dieu demeure dans une lumière inaccessible, là où nous voyons dans l'Écriture, où l'Écriture dit le Saint du Père, etc., etc. C'est ça que nous appelons le lieu très saint, le septième ciel, le lieu de perfection. C'est là-bas que nous irons dans l'éternité pour rencontrer le Seigneur dans l'éternité. C'est là-bas que nous régnerons. Parce que c'est le tabernacle qui descendra du ciel où l'église qui est l'épouse habitera. Gloire à Jésus. Mais le troisième ciel, c'est le trône de Dieu dans le temps. C'est-à-dire le trône de Dieu que Dieu lui-même a mis dans l'un des cieux qu'il a créé, qu'on appelle les cieux des cieux. Le troisième ciel appelé les cieux des cieux, c'est un lieu où Dieu se représente spirituellement dans le temps. Est-ce que vous comprenez? Dans le temps. Mais sinon, Dieu demeure dans l'éternité. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Et c'est dans ce troisième ciel, si Dieu règne, il ne règne pas. C'est-à-dire, quand on parle de troisième ciel, la position à laquelle Dieu demeure en tant que Christ, dans le troisième ciel, c'est la droite de Dieu. C'est ça, nous appelons la droite de Dieu. Et après avoir créé toutes choses, ayant été à la droite de Dieu, ayant été au trône de la gloire, ce trône de la gloire s'appelle droite de Dieu. Et quand il est venu sur la terre pour opérer, quand il a fini son œuvre, il est reparti encore à la droite de Dieu, qui est toujours dans le troisième ciel, en attendant d'entrer dans le règne éternel qui est prophétisé selon les prophéties, selon les écritures prophétiques. Que le Seigneur soit glorifié. Gloire au Seigneur Jésus. Nous comprenons à l'entame de cet enseignement que Christ, après avoir vaincu le diable ayant été vaincu par l'œuvre de la rédemption de Christ, le sang que Christ a apporté au septième ciel, c'est-à-dire le sang que Christ a apporté, l'Écriture dit dans le livre de Hébreux 4:14, et si je crois bien, l'Écriture va nous dire que il a traversé les cieux. Là, nous parlons du fait qu'il a franchi, il a dépassé les cieux pour entrer au septième ciel. En traversant, il est comme le souverain sacrificateur avec son sang qui traverse le lieu très saint c'est-à-dire le lieu saint pour entrer dans le lieu très saint. Nous avons compris ça dans les explications. Donc, quand Christ, en tant que souverain sacrificateur, a traversé les cieux, le lieu saint pour entrer, pour pénétrer le lieu le plus très saint, le saint des saints, il a purifié les cieux. Parce que depuis que le péché entre dans le monde et que d'abord même le diable était chuté du ciel et était projeté et que le péché entre dans le monde au jardin, depuis ce temps, les cieux ont été souillés. Je ne dis pas que le ciel est impur, non. Dans sa nature, le ciel, les cieux sont purs toujours. Mais l'accès au ciel a été fermé pour tous ceux qui croient en Jésus, ceux qui croiront au Seigneur. L'espérance de tous ceux qui hériteront l'éternité a été bloquée à cause de la chute du diable et à cause du péché qu'il a introduit dans le monde, surtout par sa séduction au jardin d'Éden. Donc personne ne peut hériter le ciel depuis la chute de l'homme dans le jardin à cause de la séduction du diable. Et comme le diable, celui qui détenait la puissance de la mort et qui régnait sur ceux qui mouraient, comme il a été vaincu par Jésus-Christ, nous lisons bien dans Hébreux 2, le verset 14 à 16, l'Écriture dit que le diable a été vaincu, lui qui avait la puissance sur ceux qui avaient la crainte de mourir, c'est-à-dire ceux qui étaient sous la servitude de la loi, la servitude du péché. Le diable avait la puissance sur eux. Par la rédemption de Christ, Christ l'a vaincu. Christ a vaincu le diable. Alléluia. Donc, comme Christ a vaincu le diable, ce n'est pas le sang qu'il a apporté, qu'il a précipité le diable au travers de Michael, l'ange Michael qui l'a combattu. Donc, c'est ce sang maintenant qui va purifier les cieux pour permettre à nous d'avoir une libre entrée dans le sanctuaire. Lisons le livre de Hébreux 9, verset 23, avant d'avancer. Hébreux 9, le verset 23. Je lis au nom de Jésus. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux
devaient être purifiés de cette manière que les choses célestes elles-mêmes ne fussent pas de sacrifices plus excellents que ceux-là. Nous comprenons par là que selon la loi et selon le tabernacle de Moïse qui était terrestre dans l'Ancien Testament, nous comprenons que les images des choses devaient être purifiées, c'est-à-dire les choses qui sont dans le tabernacle, les choses qui étaient des images qui reflètent les cieux, ces images qui étaient l'ombre des choses à venir, qui étaient le tabernacle, dans le tabernacle, devaient être purifiées par le sang des animaux. C'est pourquoi l'Écriture dit, il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, de la même manière que le sang des animaux devait purifier dans l'Ancien Testament. Que les choses célestes elles-mêmes ne fussent pas des sacrifices plus excellents que ceux-là. Ce qui veut dire que le sang de Jésus est le sacrifice plus excellent que le sacrifice, les sacrifices dans la loi, au temps des préfigurations. C'est pourquoi quand nous remontons au verset 20, l'Écriture nous dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc c'est l'effusion du sang qui purifiait ces ustensiles, ces choses qui composent le tabernacle. Or, le tabernacle est une image, le tabernacle de Moïse est une image des choses célestes. Le tabernacle est terrestre, image des choses célestes. C'est pourquoi Christ lui-même va faire quoi? Christ ayant vaincu par son sang à la croix, par la rédemption, l'œuvre de la rédemption, va apporter son sang pour pouvoir nous pardonner, pour donner une espérance de pardon pour tous ceux qui espèrent en lui. C'est pourquoi l'Écriture dit, si les choses du tabernacle qui étaient terrestres, du tabernacle de Moïse dans l'Ancien Testament, qui était dans l'Ancienne Alliance, qui était terrestre, devait être purifié par le sang des animaux, à plus forte raison, le sang de Jésus-Christ, qui est le sacrifice le plus parfait, ne le purifiera-t-il pas les cieux, qui sont la réalité même de ces images? Alléluia. Ce qui veut dire que pour que nous puissions avoir accès au ciel, les cieux devaient être purifiés par le sang de Jésus. C'est pourquoi l'agneau qui a tout fait à la croix, qui a accordé la rédemption, étant le souverain sacrificateur, lui-même a fait quoi? Il a traversé les cieux afin que le sang puisse nous ouvrir l'entrée pour le sanctuaire. C'est pourquoi l'Écriture dit quelque part que Christ nous a donné la libre entrée dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le septième ciel, c'est l'éternité, vie éternelle. Gloire à Jésus. Que le Seigneur glorifie. Nous continuons. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une discussion. Voilà, ici c'est un sous-titre. C'est-à-dire le premier sous-titre même de la cinquième partie. Alléluia. Il y a une discussion dans l'éternité, c'est-à-dire dans le septième ciel, lorsque Christ est monté pour pouvoir purifier les cieux, pour entrer dans le septième ciel, pour avoir la clé du séjour des morts. Ce qui s'est passé au septième ciel, quand Christ a ouvert le livre scellé. Lisons le livre Hébreux 1, le verset 8 à 13. Ici, c'est la discussion des deux dispensations dans l'éternité. La discussion des deux dispensations, le Père, l'éternité, le temps, le Fils. Après la rédemption de Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux 1, le verset 8 à 13. Je lis au nom de Jésus. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, le Hébreu 1, le verset 8 au verset 13. Nous sommes au 12. 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Cette discussion est une discussion entre le Père et le Fils. Beaucoup, quand on dit Père et Fils, beaucoup voient deux personnes. Le Père à part, le Fils à part. Nous avons expliqué dans les enseignements précédents que ce n'est pas deux personnes. C'est deux dispensations. C'est deux temps dans lesquels Dieu opère. Et c'est le même Dieu qui a quitté l'éternité pour venir dans le temps. Alléluia. Est-ce que
le, même Dieu a engendré le Fils pour pouvoir œuvrer dans le temps. Là, nous parlons du Christ qui a quitté l'éternité pour œuvrer dans le temps. Ce même Dieu va faire quoi? Lorsque Christ, le Dieu de l'éternité, entra dans le temps, ayant opéré à la croix, lorsqu'il a fini son œuvre à la croix, ayant monté au septième ciel, il y a une discussion entre l'éternité et le temps, entre le Père et le Fils, c'est-à-dire entre le Dieu invisible et le Dieu qui a opéré dans la visibilité. Car Christ est l'image du Dieu invisible. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui-même va dire, l'Écriture dit, il a dit au Fils, c'est-à-dire Dieu lui-même va lui se parler, c'est-à-dire va avoir une discussion avec une, c'est-à-dire une autre partie de lui qu'il a engendré dans le temps. Christ est l'image du Dieu invisible. Christ est c'est-à-dire l'habitation de Dieu dans le temps. Alléluia. En lui habite la plénitude de la divinité de Dieu. Mais dans le temps, lorsque l'éternité sort et entre dans le temps, nous voyons la parole qui opère, qui est Dieu en chair, et nous voyons en même temps l'éternité qui est invisible, qui s'introduit dans la visibilité, qui opère. Alors ce n'est pas deux personnes, mais c'est un seul Dieu. Maintenant, il y a une discussion entre les deux dispensations, l'éternité et le temps. Le Dieu éternel, c'est le même Dieu qui se parle, c'est-à-dire c'est le mystère que beaucoup ne comprennent pas. Il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ô le Dieu éternel, ta main, c'est-à-dire Dieu a oué le Christ. Le Christ est Dieu dans l'éternité. Mais pour que Dieu opère dans le temps, Dieu a oué le Christ pour opérer dans le temps. C'est pourquoi lorsque Christ, l'esprit de Christ va s'introduire dans un corps, dans le temps du salut, nous parlons de Jésus-Christ. Parce que Christ est le Dieu d'éternité à l'éternité. Mais lorsqu'il entre au temps du salut, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, il porte le nom de Jésus. Alléluia. Donc ça fait Jésus-Christ. Donc, il y a une discussion entre les deux dispensations du même Dieu unique. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Effectivement, c'est le trône le trône même, c'est le trône du Fils. Puisque le Fils n'est pas différent du Père. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice. Effectivement, Christ a opéré dans la justice et il a haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oué d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Toi encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau. Ça, c'est c'est-à-dire l'élévation. Le Fils de Dieu, qui est le Christ qui opère l'œuvre de Dieu dans le temps, va être élevé à la position la plus élevée. L'Écriture va dire, dans le verset 13, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à je fasse de tes ennemis ton marchepied. Là maintenant, le Dieu éternel qui est le Père va dire à la dispensation du temps, assieds-toi à ma droite jusqu'à je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ce qui veut dire que depuis que Christ a opéré, depuis que Christ a quitté le troisième ciel, le trône de la gloire, pour venir lors de sa seconde introduction dans le monde, et qu'il a opéré toutes choses, qu'il a tout accompli, et allé au septième ciel, c'est là maintenant Dieu de l'éternité, le Père, va dire au Fils, c'est le même Dieu, ce n'est pas deux personnes, c'est un seul Dieu de deux dispensations. Le Dieu, le Père, va dire c'est-à-dire à la dispensation du temps qui est le Fils, assieds-toi à ma droite. C'est là il va dire, assieds-toi à ma droite. Oui, parce que tu n'as pas encore fini de détruire tous les ennemis. Parce que si tu n'arrives pas à les écraser jusqu'à la fin de tous les temps, tu ne pourras pas entrer, nous ne pourrons pas entrer dans notre règne éternel avec les saints. Pour que les saints soient définitivement sauvés, il faut tout que toi, Christ de l'éternité, entre dans le temps, ayant fini son rôle, ayant entré au septième ciel, revient terre, entre dans un corps. Le corps qu'on avait mis dans la tombe, entre encore, ressuscite-toi. Ayant ressuscité, remonte maintenant. Mais quand tu vas monter, ne va plus. Ce n'est pas pour entrer au septième ciel dans l'éternité, mais c'est dans
à la droite de Dieu. Et la droite de Dieu, c'est où? L'Écriture m'a dit, aucun des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ce qui veut dire que la droite de Dieu est une position qui permet au Christ, il a dit, au Dieu qui opère dans la dispensation du temps, d'écraser ses ennemis, d'avoir ses ennemis sous ses pieds jusqu'à la fin de toutes choses. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Donc, ici, la discussion donne autorisation au Fils de Dieu d'aller à la droite de Dieu jusqu'à ce que ses ennemis, les ennemis de Dieu, les ennemis qui combattent l'Église, soient tous détruits, écrasés afin d'entrer dans l'éternité. Donc, ce que nous voyons là, c'est que quand est-ce que les ennemis seront tous écrasés? Quand est-ce que Dieu va faire des ennemis le marchepied du Seigneur Jésus? Est-ce dans l'éternité ou dans le temps? C'est dans le temps, puisque c'est dans le temps, surtout du temps du salut jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. C'est en ce temps que le Fils de Dieu opère en tant que Jésus-Christ. C'est en ce temps que le Christ opère en tant que Jésus-Christ. Donc il faut que Jésus-Christ soit élevé au-dessus de tous les noms. Il faut que le nom Jésus soit élevé au-dessus de tous les rois de la terre, au-dessus de tous les hommes de la terre, jusqu'au niveau où il les domine. Ses ennemis soient pour lui un marchepied, jusqu'à ce qu'il rétablisse toutes choses. Et c'est au rétablissement de toutes choses, lorsque tous les temps finiront, nous ne parlerons plus de la dispensation du temps, puisque la dispensation du temps disparaîtra à cause des cieux. Ces cieux qui seront détruits et la terre qui sera détruite. Et il y aura un nouvel ciel, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Ça, nous parlerons de l'éternité qui va, c'est-à-dire entrer en vigueur dans le monde entier. Ça ne sera plus le monde ancien, mais un monde nouveau que nous appelons la Nouvelle Jérusalem. Le septième ciel qui va descendre et dans lequel ira tous les élus, tous les saints. Mais avant que nous puissions aller, avant que Christ ne puisse entrer dans son règne éternel, ce n'est pas qu'il est roi, il est roi. Mais pour que le règne éternel, pour qu'il puisse entrer dans le règne éternel, il faut amener les saints. Nous qui sommes des esprits, puisque nous étions esprits avant d'être introduits dans le corps, dans le temps, à la création. Alors pour que Dieu finisse son œuvre, il faut que tous les ennemis qui combattent les saints, qui combattent l'Église, soient totalement détruits. Il faut que tous les ennemis qui combattent les élus de Dieu, selon la prédestination, soit totalement vaincu, afin que Christ entre dans son règne éternel, qui est prophétique, afin que nous, les esprits célestes, qui étions éternels, mais introduits dans le temps, dans le corps, puissent entrer dans notre règne éternel avec Christ. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Maintenant, lisons Marc 16, le verset 19. Marc 16, le verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Ah, c'est à quel niveau ce verset, cela s'est passé? Est-ce que le Seigneur était mort à la croix ou après sa résurrection? Nous avions dit qu'après sa résurrection, qu'il est entré dans l'éternité, le lieu très saint, pour aller opérer une œuvre de purification et aussi de pour sceller, pour marquer le sceau de la rédemption et aussi pour ouvrir le livre scellé. Mais après ça, il est parti à la droite de Dieu. Or, nous avions dit que le lieu très saint, c'est la demeure même de Dieu. C'est ça que nous appelons, selon la révélation, le septième ciel, c'est-à-dire la révélation, le ciel le plus parfait. Mais après cela, il est revenu dans son corps et il a été ressuscité dans les morts. C'est après sa résurrection dans les morts qu'il a fait 40 jours avec les disciples. Donc après ces 40 jours avec les disciples, c'est là maintenant qu'il va monter au ciel. Le ciel dont on parle ici, ce n'est pas l'éternité, puisqu'il est entré dans l'éternité. Il ira dans le troisième ciel qui est dans le temps. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Marc 16, le verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. C'est le temps, c'est-à-dire le ciel. Le troisième ciel, le lieu le plus élevé de la spiritualité. Ce qui veut dire que toute spiritualité sur terre, dans le monde créé
par Dieu n'est pas au-dessus du troisième ciel. Donc au troisième ciel, Christ, étant l'image du Dieu invisible, règne comme Dieu et domine toutes choses jusqu'à ce que tous ses ennemis soient son marchepied. Et à la fin c'est-à-dire de tous les temps, c'est-à-dire le rétablissement de toutes choses, il puisse vraiment entrer dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Donc le troisième ciel, c'est le ciel qui est dans régie dans la spiritualité, dans les choses que Dieu a créées. Mais l'éternité qu'on appelle le septième ciel, qui n'est pas un niveau, qui n'est pas le septième en chiffres, mais qui est selon la révélation, le lieu parfait, le sait, qui est l'éternité, n'est pas de ce monde. Mais c'est le lieu où Christ était allé quand son esprit était sorti du corps. Là, c'était lors de sa mort à la croix. Mais ici, il est parti à la droite de Dieu. Ce n'est pas le septième ciel qu'on appelle l'éternité, le ciel le plus parfait. Ce n'est pas là. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, est à la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est le ciel du Dieu vivant. Le trône de Christ, le trône de Dieu dans le monde spirituel. Le lieu élevé dans le monde spirituel. Ce qui veut dire que aujourd'hui, dans notre relation avec le Seigneur, nous sommes en relation avec le Seigneur dans sa position élevée dans le monde spirituel. Quand nous prions, la prière monte au troisième ciel. Et c'est lui qui reprend nos prières au troisième ciel en tant qu'intercesseur. Ça, c'est la droite de Dieu, la position la plus élevée, le trône même de Dieu dans le temps. Puisque comme Christ n'a pas achevé son œuvre dans le temps, c'est pourquoi il n'est plus réparti après avoir été ressuscité. Il n'est plus remonté au septième ciel. S'il remontait à l'éternité, alors qu'est-ce que vaut notre existence sur la terre? C'est comme si nous sommes perdus parce que nous avons l'espérance de l'enlèvement. Si Christ s'était arrêté à l'éternité, au lieu très saint, au septième ciel, il n'est plus revenu pour encore entrer dans le temps, le lieu le plus élevé dans le temps qui est le troisième ciel, alors nous n'avons plus d'espoir dans notre marche avec le Seigneur. Parce que l'Écriture prophétise l'enlèvement, la seconde venue de Jésus, le jugement dernier, etc., etc. Donc pour que les prophéties qui sont dans le temps soient accomplies, il faut qu'ils soient retenus là-bas à la droite de Dieu dans le troisième ciel, en attendant que tout soit accompli et que ses ennemis soient sous son contrôle. Gloire au Seigneur Jésus. Donc nous sommes en train de comprendre que la prophétie, c'est pour le temps. La prophétie, c'est pour le temps. La prophétie opère dans le temps. Et l'accomplissement de la prophétie, c'est dans le temps. Jusqu'à ce que nous entrerons dans le ciel même, dans l'éternité, à la fin de tous les temps, ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi l'Écriture dit que les prophéties disparaîtront. Les prophéties disparaîtront. La connaissance disparaîtra. Mais la parole, qui est l'amour, c'est-à-dire la parole qui a quitté l'éternité, qui est la pensée de Dieu dans l'éternité, mais qui s'est introduit, c'est-à-dire engendré dans le temps, ne disparaîtra pas. Parce que la parole, c'est Dieu. Alléluia. Donc la parole ne disparaîtra pas. Mais la prophétie disparaîtra. La connaissance disparaîtra. Parce que la connaissance nous a été donnée dans le temps. Or, Christ est actuellement au troisième ciel jusqu'à ce que tous ses ennemis soient sous son marchepied. Jusqu'au point qu'il détruise les cieux et la terre afin que nous soyons dans l'éternité, dans un nouvel ciel, sur une nouvelle terre pour la gloire de son nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, l'Écriture dit, le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Alléluia. Donc, nous avons compris que après les 40 jours de Jésus-Christ, après les 40 jours, il est monté encore. Il est monté maintenant au troisième ciel. Quand il était dans l'éternité, il était Christ dans l'éternité, avant de s'introduire dans le temps, à la création, au commencement pour la création, Et après avoir opéré dans la création, il est retourné, c'est-à-dire il est monté plutôt au troisième ciel qui a été créé dans les cieux de la création. Et le troisième ciel, c'est le ciel des cieux où il est monté après la création. Et c'est ça que nous appelons le trône de la droite de Dieu. Donc il a quitté la droite de Dieu, puisque c'est la droite de Dieu qui opère tout. Ce n'est pas la droite de Dieu que Dieu a tout créé. Donc ayant quitté la droite de Dieu, il est revenu plutôt dans le monde, dans le temps du salut, pour accomplir l'œuvre du salut. Donc ayant fini l'œuvre du salut,
ayant fini tout au septième ciel, ayant accompli toutes les promesses, garanti tout au septième ciel dans l'éternité, il est revenu dans son corps et étant ressuscité, il a fait, encore fait 40 jours avec les disciples. Après ça, maintenant qu'il est retourné au troisième ciel, que nous appelons la droite de Dieu, le siège même de Dieu. Donc ce n'est pas une position où le Père à part, le Fils est à droite, non. Mais c'est le siège, la droite de Dieu, c'est le siège du trône de Dieu dans le monde. Dans le monde spirituel, dans le monde, c'est-à-dire dans les cieux, créé pendant le temps. Donc c'est le troisième siècle qui est le siège même du trône de Dieu là-bas. Donc il est allé là-bas. Pourquoi il n'est pas allé dans l'éternité? Il est allé au trône de la droite de Dieu pour servir d'intermédiaire entre nous et l'éternité. Puisque les choses qui tireront l'éternité traverseront le troisième ciel pour nous parvenir. Donc quand nous prions, Christ est l'intermédiaire qui sert d'intermédiation entre le Père et nous. Donc ce n'est pas deux personnes, mais c'est le même Dieu qui opère dans deux dispensations, l'éternité et le temps. Gloire à Jésus. Maintenant, lisons ce verset. Hébreux 8, le verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. La droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Nous allons voir l'écriture pour comprendre. Ici, on dit la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Qui s'est assis? C'est le souverain sacrificateur. C'est Christ qui a opéré tout dans l'éternité. Maintenant, il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Quand nous voyons littéralement ici, nous allons comprendre comme si Christ est assis. Et c'est comme si Christ est assis dans l'éternité, c'est-à-dire en tant que souverain sacrificateur, il s'est assis dans le ciel le plus parfait dans l'éternité. Ici, l'écriture, quand nous voyons bien, l'écriture dit à la droite, Hébreux 8, à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Nous comprenons par là qu'il s'agit de la droite du trône dans les cieux. La droite du trône dans les cieux. La droite du trône, c'est-à-dire le trône de la majesté divine, c'est le septième ciel. C'est le trône éternel. Mais Christ ne s'est pas assis après sa résurrection, quand il est monté à l'ascension. Il ne s'est pas assis directement sur. Il ne s'est pas assis sur le trône éternel. Non, puisqu'il est parti. S'il s'est assis, alors ce sera la fin du monde. Si Christ s'était assis lors de la fin de sa mission à la rédemption, lorsqu'il était monté au septième ciel, s'il s'était assis sur le trône du septième ciel, dans la dispensation du temps, ce sera la fin du monde. Parce que l'Écriture dit qu'à la fin du temps, Dieu le Fils, ce n'est pas la deux personnes, hein, c'est-à-dire Dieu qui opère en tant que Fils dans le temps, va remettre la royauté éternelle au Père, c'est-à-dire à l'éternité. Donc Dieu finira d'œuvrer dans le temps en tant que Fils, et on ne parlera plus du temps, mais dans l'éternité. Donc s'il s'asseyait, lorsqu'il est parti ouvrir le livre dans l'éternité, s'il s'asseyait directement, ce sera la fin du monde, la fin de tous les temps. Mais ce n'est pas ça. Donc, il n'est pas assis sur le trône éternel. Mais ici, l'Écriture dit, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine, mais dans les cieux. Donc la droite du trône de la majesté divine n'est pas dans les cieux, mais au-dessus des cieux. Mais ici, dans les cieux, est directement lié à droite du trône. Reprenons la phrase dans un français, dans un autre français. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône qui est dans les cieux. À la droite du trône, c'est-à-dire étant dans les cieux. Pourquoi on dit droite du trône de la majesté divine? La droite du trône de la majesté divine est différente. La droite du trône de la majesté divine. Le trône même, c'est le trône de la majesté divine. C'est ça le trône éternel. Le trône même, c'est l'éternité. C'est le trône éternel de Dieu. Le septième, c'est le lieu le plus élevé. Maintenant, la droite, c'est la dispensation du temps. Donc la droite, la majesté divine dans les cieux, est la dispensation du temps. Or, le lieu qui est le lieu le plus élevé, où Dieu se représente spirituellement,
dans le monde créé par lui-même est le troisième ciel. C'est pourquoi nous comprenons par là que Christ étant sur un sacrificateur, après avoir opéré la validation du sacrifice dans l'éternité, et après avoir après sa résurrection, il est allé à la droite du trône, c'est-à-dire à la dispensation du temps, puisque Dieu opère toutes choses en faveur des hommes dans le temps, c'est-à-dire le Christ qui opère dans le temps. Donc Christ est monté à la droite. Quand on dit droite, c'est une position. Une position, c'est-à-dire, quand l'Écriture dit, oh fils, ton Dieu t'a oué, au-dessus de tes égaux. En réalité, lisons même Hébreux 1, le verset 8. Mais il a dit au fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Il a dit au fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. 9, c'est pourquoi ton Dieu, oh Dieu, c'est pourquoi ton Dieu t'a oué d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ici, on parle c'est-à-dire du lieu le plus élevé où Christ a été oué comme Dieu dans le troisième ciel. Donc, quand l'Écriture dit qu'il est allé à la droite de la majesté divine dans les cieux, la droite de la majesté divine même n'est pas dans les cieux. Mais la droite de la majesté divine, c'est l'éternité, c'est au-dessus des cieux. Mais quel trône est dans les cieux? C'est la droite de Dieu qui est dans les cieux. Mais la majesté divine est au-dessus des cieux. La majesté divine qui est le trône éternel de Dieu lui-même. Alléluia, est-ce que vous comprenez? Donc c'est, quand vous lisez la Bible littéralement, vous allez comprendre comme si le trône éternel, qui est le trône de la majesté divine, est en même temps dans les cieux. Or, nous avions dit qu'il y a un lieu au-dessus de tous les cieux que nous appelons le lieu éternel, le tabernacle le plus grand, le plus parfait, par la révélation appelée le septième ciel. Donc, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons été sur un sacrificateur qui s'est assis à la droite de Dieu, qui est assis au trône de Dieu dans le troisième ciel, c'est-à-dire dans les cieux. Il s'est assis au trône de Dieu dans le troisième ciel. Il s'est assis au trône de Dieu dans les cieux. Et le trône sur lequel il s'est assis dans le troisième ciel, dans les cieux, est la droite, est la droite du trône de la majesté divine. Nous savons que la droite, c'est une position. La droite, c'est une dispensation. Et la droite, c'est la dispensation du temps, de l'œuvre du Christ dans le monde. Et comme, étant donné que Christ a été élevé à la position la plus supérieure, au-dessus de ses égaux, quand nous parlons d'égaux, nous parlons du monde, de ceux qui sont dans le monde. Donc ceux qui sont dans le monde, dans le temps, Christ a été élevé supérieurement à ceux-là. C'est pourquoi l'Écriture va dire, au-dessus de tes égaux, c'est-à-dire à la droite de Dieu, à la position que Dieu élève dans le monde. Acclame le Seigneur Jésus. Donc ce n'est pas la droite de Dieu, ce n'est pas un fils assis à côté d'un père et les descendants de personnes. Non, la Trinité, c'est une erreur grave qu'ils ont fait à ce niveau. C'est des raisonnements très graves. Dire que le père à part, le fils à part, et les deux sont sur chacun un trône. C'est une erreur très grave. Le trône de la majesté divine, c'est le trône éternel. Mais la gloire de Dieu, c'est le trône qui est le reflet même de la majesté divine dans les cieux, précisément au troisième ciel. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, le trône de la majesté divine, ça c'est le trône, nous parlons maintenant du trône de la majesté divine, se trouve dans le septième ciel, où le Christ est assis à la droite de ce trône. La droite est notre position. La droite du trône éternel de Dieu se situe dans le troisième ciel. Jésus-Christ est la droite de Dieu dans le temps. Et le trône de Dieu dans le temps, c'est le troisième ciel. La droite de Dieu est le moyen par lequel Dieu opère les choses dans le temps. Je l'ai déjà dit. Donc Christ, sachant que le temps n'est pas encore fini, va monter à la position la plus élevée dans le temps. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il a été élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Donc Christ, après avoir quitté sa position sur le trône, est venu sur la terre dans un corps physique. Lorsqu'il avait quitté le trône de la gloire de Dieu, qui est le trône de la gloire de Dieu, qui est aussi la gloire de Dieu, dans le troisième ciel, après sa création, pour venir dans un corps physique à la croix, opérer
Et quand il a fini, il est remonté là où il a quitté. C'est ce que l'Écriture nous dit. C'est ça la droite de Dieu. Actes 7, le verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Lorsque Étienne était outragé, qu'est-ce que Dieu va lui révéler? Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel. Le ciel dont on parle ici, c'est où? Ce n'est pas l'éternité. Mais l'Écriture dit quoi? Vit la gloire de Dieu. Ça, c'est le trône de la gloire de Dieu qui est encore, qui est un attribut de la droite de Dieu. Le trône de la gloire de Dieu est un attribut de la droite de Dieu. Donc, quand on dit trône de la droite de Dieu, c'est un trône de la gloire. Donc, Étienne va voir le ciel et vit la droite et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Ah! On voit Jésus debout à la droite de Dieu. Qu'est-ce que l'Écriture entend dire ici? Jésus debout à la position la plus élevée de la spiritualité. Jésus debout en tant que Dieu élevé sur le siège dans le monde, au-dessus de toutes les créatures. Donc ce n'est pas deux personnes où le Père à part, le Fils à part et sont deux personnes dans, sur chacun son trône. Jésus-Christ qui est Dieu et sur son trône dans le troisième ciel, c'est lui-même étant Christ dans l'éternité est Dieu. Donc ce n'est pas deux personnes, c'est le même Dieu. Seulement que c'est les positions, les dispensations changent. L'éternité c'est le siège même de la divinité suprême qui opère dans le temps. Et c'est là le troisième siège, c'est le siège même de la spiritualité, de la relation de Dieu avec les hommes. Que le Seigneur soit glorifié. Donc il vit Jésus debout à la droite de Dieu. Donc comme je l'ai dit, il ne s'agit pas ici du trône éternel, non. La droite de Dieu ici qu'il a vue, c'est le lieu le plus élevé sur le troisième ciel. Alléluia. Donc, il s'agit bien sûr de la gloire de Dieu dans le troisième ciel. Or, le Christ s'est assis à la droite de Dieu avec puissance et autorité. Maintenant, lisons Actes 3, 21 pour comprendre cette révélation. Actes 3, verset 21. Je commence même par le verset 19. Actes 3, partie du verset 19 au verset 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps. C'est-à-dire, Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont a parlé anciennement par la bouche, Dieu a parlé par la bouche des saints prophètes. Je relis cette partie. Afin que des temps, le verset 20, Actes 3, 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Effectivement, Jésus-Christ a été envoyé au temps du salut et il opère aujourd'hui en tant que Saint-Esprit au temps de la grâce. Et que le ciel, ce Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps d'établissement de toutes choses dont Dieu a parlé enseignement par la bouche des saints prophètes. Ici, le ciel dont on parle ici, le ciel qui est le troisième ciel, ce n'est pas ici le septième ciel ou l'éternité. Ce n'est pas ça. Le troisième ciel qui est la position la plus élevée dans le monde, où Dieu règne en tant que fils, en tant que Christ, qui opère une œuvre à faveur des hommes, ce lieu doit recevoir Christ après sa résurrection. Après ces 40 jours qu'il a opéré avec les disciples, ce lieu a reçu Christ. Hein? Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Le temps du rétablissement de toutes choses, c'est quoi? C'est un temps qui commence depuis l'effusion du Saint-Esprit, depuis la réformation, depuis l'époque de la moisson par le Saint-Esprit, depuis le temps de la grâce, la pluie de la première, de la ré-saison, jusqu'à la fin de toutes choses, jusqu'à la destruction du premier ciel, c'est-à-dire des cieux et la terre, pour que de nouveaux cieux, un nouvel ciel,
un nouveau ciel plutôt, et une nouvelle terre sera dans le monde. Ça, c'est un monde nouveau. Donc, depuis que Christ a été introduit dans le monde à la seconde fois, et que, ayant été introduit, il a reçu le nom Jésus. Ça fait Jésus-Christ. Jésus qui est Dieu qui sauve dans la dispensation du temps. Christ est le Dieu qui opère dans toutes les dispensations. Alors, comme toutes les dispensations ne sont pas finies, le ciel a reçu, c'est-à-dire le troisième ciel, a reçu Christ, c'est-à-dire la droite de Dieu, a reçu Christ. Reçu Christ jusqu'au temps, c'est-à-dire Christ va rester dans la droite de Dieu en tant que Dieu, en tant que Père, en tant que toute chose. Depuis la droite de Dieu, depuis quand il a été enlevé, après sa glorification et sa résurrection, depuis qu'il a été glorifié, lors de son ascension, depuis que le Saint-Esprit est descendu jusqu'à la fin de toutes choses, à la destruction de ce monde. Alléluia. Donc c'est ça, le rétablissement de toutes choses. Donc la nouvelle Jérusalem qui est le septième, c'est la demeure de Dieu, ne descendra pas tant que tout ne soit pas rétabli. Donc tout sera rétabli d'abord. Mais pour que tout soit rétabli, il faut que Christ opère comme Père, opère comme celui qui est élevé au-dessus de tout, non, au-dessus de ses égaux dans le temps où nous sommes, dans lequel nous sommes, dans ce monde, afin que ses ennemis soient détruits. Et c'est là maintenant, il y aura le rétablissement de toutes choses, et il y aura le jugement, et nous entrons dans l'éternité. Donc ici, le lieu où, le ciel où, qui doit recevoir Christ, dont on parle ici, ce n'est pas le septième. Ce n'est pas l'éternité, mais c'est plutôt le troisième ciel, qui est dans le temps. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Notons que dans les autres dispensations à venir, ce trône de gloire dans le troisième ciel pourra manifester, se manifester autrement. C'est-à-dire le trône de la gloire de Dieu a sa fonction. Donc, il y a le premier qui est le trône éternel et le deuxième qui est la droite de Dieu. Qui est le trône de la droite de Dieu. Donc, nous sommes depuis, sur les sept aspects, nous sommes sur le deuxième. Les autres ont été, d'autres explications ont été, sont comme des intermédiations. Ce sont des éléments, c'est-à-dire des phases de l'œuvre de Dieu dans le temps qui ont permis à ce que Christ puisse retourner dans sa position de la droite de Dieu qu'il avait quittée. Lorsqu'il avait, il s'est interpéré dans le temps du salut. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Maintenant, lisons 1 Pierre 3, verset 21 à 22. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. 22. Qui, Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu? Jésus-Christ. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Alléluia. Et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Depuis qu'il est allé au ciel. Quand vous voyez le mot ciel dans la Bible, le mot ciel a plusieurs interprétations selon les contextes des Écritures. Ce que le mot ciel dit ailleurs ne dit pas la même chose ici. Le mot ciel ailleurs peut être l'éternité, le septième ciel, dans le lieu éternel. Le trône éternel, le tabernacle le plus parfait, ou ciel peut être troisième ciel, que nous appelons le lieu le plus élevé dans le monde, le lieu le plus élevé dans le temps, le lieu le plus élevé dans la spiritualité. Or, le septième ciel, qui est l'éternité, c'est le lieu le plus élevé dans l'invisibilité, dans l'éternité. Gloire au Seigneur Jésus. L'Écriture dit, Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Ici, nous voyons le troisième ciel. La droite de Dieu où il est allé. Qui est le trône du troisième ciel. Il est allé là. Et depuis ce temps, les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis jusqu'à la fin de tous les temps. Donc, à la fin de tous les temps, dans l'éternité, ce sera l'éternité. Ce sera Dieu éternel, le Christ. Mais Jésus est le nom qu'il a porté depuis le début du temps du salut jusqu'au rétablissement de toutes choses. C'est pourquoi l'Écriture dit Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu. C'est-à-dire depuis son œuvre dans le temps, il est Jésus-Christ jusqu'à la fin de tous les temps. Gloire à Jésus. Et dans l'éternité, il est Christ, Dieu béni éternellement. Selon Romains 9, 5, il est Dieu éternel, le Père éternel.
parce qu'il est le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais dans les dispensations, il change de fonction. C'est pourquoi on dit parfois Jésus-Christ, parfois on dit Christ, c'est le même Dieu. Continuons. Gloire à Jésus. Maintenant, allons-y dans Hébreux 1, le verset 2 à 3. Je lis Hébreux 1, le verset 2 à 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qui est la dispensation du temps, la dispensation du temps depuis la création au temps du salut à la croix, depuis qu'il a été, qu'il est monté au troisième ciel, jusqu'au rétablissement de toutes choses après le jugement et la destruction de ce monde. Il est toujours le Fils. Alléluia. Mais dans l'éternité, c'est le Père. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Voilà. Et qui étant le reflet de sa gloire au troisième ciel, Christ est le trône du troisième ciel. Et tout ce qui se passe au troisième ciel est le reflet même de la gloire de Dieu qui est dans l'éternité. On parle du trône de la gloire de Dieu dans les cieux au troisième ciel, qui est le reflet même de l'éternité. Et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. La purification des péchés, par qu'il a utilisé pour traverser les cieux. C'est-à-dire qu'il a purifié les cieux pour nous donner accès au libre, accès libre au sanctuaire éternel qui est le septième ciel, la vie éternelle, la demeure de Dieu dans l'éternité, qui est aussi la nouvelle Jérusalem. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ici, on dit, dans Hébreux 1, le verset 3, Christ s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ici, nous sommes en train de comprendre que la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, c'est le lieu, le troisième ciel. Le trône de Dieu dans le troisième ciel, c'est là la droite de Dieu. Où Christ est roi, Christ est Dieu, et Christ est Dieu dans le temps. Alléluia. Où toute autorité spirituelle lui sont soumises. Assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. La majesté divine est dans les lieux très hauts. C'est ça le lieu très élevé, au-dessus de tous les cieux. Maintenant, la droite de cette majesté est une position qui a été manifestée par Dieu dans le monde qui l'a élevé au-dessus. C'est là maintenant son trône en relation avec les hommes. Les égaux, c'est parce que Jésus... Pourquoi l'Écriture dit les égaux? Dans Hébreux 1, verset 8 à 13, l'Écriture dit les égaux, pourquoi? Parce que Christ, Dieu, est venu en tant qu'homme et s'est manifesté dans la chair comme homme. Donc, on décide de tous ces égaux. Nous, les égaux, nous sommes les hommes, nous sommes les égaux qui sommes sur la terre. Nous, on est dans le monde physique, mais Christ a été élevé au-dessus de nous qui sommes dans le monde physique. Or, en réalité, il est Dieu, mais il a porté une silhouette humaine, physique, c'est-à-dire il s'est manifesté en chair pour venir sur la terre. Mais lui, au-dessus de nous qui sommes ses égaux dans la chair, il a été élevé au-dessus de nous dans le monde spirituel, dans le troisième ciel. Donc, il est élevé plus que le deuxième ciel, plus que le premier ciel, plus que le monde physique sur la terre. C'est ça la droite de Dieu. Donc, la majesté divine dans les lieux très hauts, même, c'est le lieu éternel. Mais la droite, c'est la position de la dispensation du temps où Christ règne en tant que Dieu. Dans le temps, jusqu'au rétablissement et au renouvellement de toutes choses pour l'entrée dans l'éternité. Gloire au Seigneur Jésus. C'est pourquoi l'Écriture va dire dans Philippiens 2, verset 9 à 11. L'Écriture va dire dans Philippiens 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans le temps, Christ a été élevé et a reçu un nom plus qui est au-dessus de tous les noms. Et ce nom, c'est Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux. Ah, dans les cieux même. Les anges lui sont soumis. C'est ça, les genoux qui fléchissent dans les cieux. Sur la terre, nous qui sommes ses égaux, sur la terre, qui sommes des hommes aussi, dans la chair, dont Christ lui-même a porté une chair. Nous sommes ses égaux. Nous aussi, nous sommes soumis. Nos genoux fléchissent devant le nom de Jésus. Sous la terre aussi, les genoux fléchissent. Donc ça montre que Christ est celui qui est au-dessus de tous les noms dans le troisième ciel. Donc, dans le temps, le troisième ciel est le lieu le plus élevé. C'est ça la droite de Dieu.
Et Jésus-Christ est lui-même la droite de Dieu qui sauve. Quand nous lisons, nous remontons aux Écritures, nous voyons que c'est la Christ dans Exode 15, 16 à 17, Exode 15, nous voyons que Christ est lui-même la droite de Dieu. C'est lui qui a sauvé l'esprit de Christ qui travaillait, qui opérait avec les enfants d'Israël comme une colombe de feu, tout cela. En réalité, c'est l'esprit de Christ qui opérait. Donc c'est lui, la droite de Dieu qui sauve. La droite de Dieu est aussi le salut. La droite de Dieu, c'est le salut. La droite de Dieu, c'est la création. La droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La droite de Dieu, c'est l'autorité. La droite de Dieu, c'est la souveraineté. La droite de Dieu, c'est la royauté. La droite de Dieu, c'est l'endroit le plus élevé lorsqu'on parle de sa position. Mais lorsqu'on parle de l'identité de celui qui est assis à la droite de Dieu, nous voyons Christ qui opère de la dispensation du temps. Ayant reçu le nom Jésus qui est élevé, le nom Jésus qui est élevé au-dessus de tous les noms. Gloire à Jésus. C'est pourquoi l'Écriture dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La gloire de Dieu le Père, c'est où? La gloire de Dieu le Père, en réalité, c'est d'abord le trône de la majesté divine dans l'éternité. Mais comme reflet, le reflet du trône de la gloire de Dieu dans l'éternité, son reflet dans le temps, c'est le troisième ciel où Christ est l'empreinte de sa personne, où Christ est le reflet de la gloire de Dieu. C'est pourquoi on appelle le trône de Dieu, qui est la droite de Dieu dans le troisième ciel, on l'appelle le trône de la gloire de Dieu. C'est-à-dire le trône où Jésus-Christ est retenu jusqu'à la fin de tous les temps. Que le Seigneur soit glorifié. Gloire à Jésus. Donc le Christ étant assis à la droite de Dieu dans sa gloire, intercède pour nous. Et un médiateur entre Dieu et les hommes. Alors nous devons comprendre que depuis qu'il est assis, depuis que Christ est assis à la droite de Dieu, il exerce deux fonctions jusqu'à nos jours et jusqu'à l'enlèvement de l'église, jusqu'au rétablissement de toutes choses. Alors le trône change d'aspect. À chaque niveau, le trône change d'aspect. À chaque dispensation, à chaque étape, le trône change d'aspect. Surtout dans le temps dans lequel nous sommes, qui est le temps de la nuit. C'est-à-dire, depuis le temps du soir et de la nuit, c'est-à-dire le temps du soir, c'est le temps de fondement des apôtres, des prophètes, et le temps de la nuit, c'est le temps de la restauration de la parole et du son de la trompette pour préparer l'église à la rencontre de l'époux. Donc, nous sommes dans le temps de la grâce qui est formé du temps du soir et du temps de la nuit. Donc, depuis que nous sommes dans ce temps de la grâce, le trône joue plusieurs rôles. Et dans cette dispensation de la grâce, le trône jouera d'autres rôles jusqu'à l'enlèvement de l'église. Que le nom de Jésus soit glorifié. Maintenant, nous allons comprendre la dernière partie. Nous n'allons pas trop aborder cela et dans tous les détails, mais nous allons juste vous montrer avec quelques précisions les éléments qui sont mentionnés. Donc nous sommes à la troisième partie la cinquième partie de la série d'enseignements. Donc nous sommes au troisième sous-titre. Au début, nous avons parlé de la discussion, du Père, du Fils, des deux dispensations. Après, nous avons parlé de la droite de Dieu et le trône de la droite de Dieu de la majesté divine dans les cieux. Et nous sommes en train de comprendre maintenant à la troisième partie. Nous voulons comprendre les fonctions du trône de la droite de Dieu. Les fonctions du trône de la droite de Dieu. Donc, après avoir parlé de la discussion des deux dispensations, et après avoir abordé la droite de Dieu, qui est une position de divine dans le temps, la droite de la majesté divine dans les cieux, nous sommes en train de comprendre ici le trône, les fonctions du trône de la droite de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Donc nous n'allons pas trop expliquer, nous allons juste donner quelques détails et la fois prochaine nous allons entrer en profondeur pour entrer sur d'autres aspects du trône de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Allons-y dans Actes 2, 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Je commence par le 32. C'est ce Jésus que Dieu a reçu. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père
le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc comme première fonction du trône de la droite de Dieu, où Jésus est assis après son œuvre au temps du salut, lors de son ascension jusqu'au rétablissement de toutes choses, la première fonction du trône de la droite de Dieu est mentionnée dans ce verset de Actes 2, verset 33. Ici, Christ fait quoi? Au trône de la droite de Dieu, Christ a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a répandu. Donc ici, nous parlons de l'effusion du Saint-Esprit sur toute chair. L'effusion du Saint-Esprit sur toute chair. Donc, la première fonction du Christ à la droite de Dieu, après son ascension, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Il les avait dit que le Saint-Esprit sera sur vous. Quand on lit bien Jean 14, l'Esprit de vérité, que le monde n'a point entendu, que vous connaissez qui avec vous, qui demeure avec vous. Même dans Jean 16, il a expliqué encore. Et c'est l'Esprit qui va convaincre le monde de la justice, du péché et du jugement. Alléluia. Donc la première fonction du trône de la droite de Dieu, c'est de répandre le Saint-Esprit qui avait été promis. Dans Joël 2, verset 8, l'Écriture dit clairement que Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions, vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des songes. C'est l'accomplissement de cette prophétie qui est la première fonction du trône de la droite de Dieu. Et la première fonction du trône de la droite de Dieu, c'est l'effusion du Saint-Esprit sur toute chair. Donc, Christ, ayant tout accompli, ayant tout scellé, commence à manifester les promesses. Or, lors de la rédemption, il est parti au septième ciel pour garantir les promesses pour nous qui croirons. C'est-à-dire, c'est un gage qui nous donne possibilité d'avoir l'accessibilité et l'accomplissement des promesses dans notre vie si nous croyons en Jésus et nous accomplissons les œuvres de la foi. Or, ces promesses sont les œuvres de la grâce. Donc, ici, nous comprenons par là que Christ commence par manifester de façon palpable les promesses qui ont été annoncées, qu'il a validées au septième ciel par l'œuvre de la rédemption en déroulant le livre pour que nous puissions avoir la manifestation. Donc, la première fonction, c'est de répandre le Saint-Esprit sur toute chair comme il a promis. C'est une promesse qu'il a accomplie. Donc, à la droite de Dieu, nous recevons assez de bénéfices par Christ. Donc, le Saint-Esprit a été accordé lorsque Christ est monté à la droite de Dieu. C'est pourquoi les disciples, les apôtres s'étaient réunis et le Saint-Esprit est effectivement descendu sur eux. Gloire à Jésus. Comme deuxième fonction du trône de la droite de Dieu, nous avons Christ comme chef et consommateur de la foi. Hébreux 12, 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. En réalité, le trône de Dieu, c'est l'éternité, le septième ciel, le trône. Mais la droite de ce trône de Dieu, nous avons vu que c'est le trône de la gloire de Dieu au troisième ciel. Alléluia. C'est ça le trône de la droite de Dieu. Alors, Christ étant sur le trône de la droite de Dieu, qui est au troisième ciel, est le chef et consommateur de notre foi. En réalité, quand nous manifestons notre foi, c'est Christ qui reçoit la foi. Et en recevant la foi, Christ va mettre en exécution les directives liées à notre foi, afin que le Père puisse accorder ce que nous avons demandé. Parce que Christ est lui-même le Père, mais en tant que Fils, dans la dispensation du temps, lui-même va être l'intermédiation qui nous permet d'accéder aux promesses du Père. C'est pourquoi nous devons croire en Christ, car le nom qui a été donné dans le temps, c'est le nom de Jésus. Le nom dans lequel nous devons, en qui nous devons croire pour être sauvés. C'est ça, Christ est le consommateur de la foi dans la dispensation du temps, à la droite de Dieu. Gloire à Jésus. Ça, c'est la deuxième fonction. La troisième fonction du trône de la droite de Dieu, c'est Colossiens, se trouve dans Colossiens 3, le verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ,
Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ah. Cherchez les choses d'en haut. Puisque Christ est maintenant le chef consommateur de votre foi, cherchez d'en haut. Et quand vous cherchez avec foi en Christ qui consomme votre foi, vous pouvez recevoir les choses d'en haut. L'Écriture dit, cherchez les choses d'en haut. En réalité, nous voyons par là que la troisième fonction du trône de la droite de Dieu, depuis que Christ est monté, dans lequel et qui est supérieur à nous, qui sommes ses égaux sur la terre, Christ, hein? Oui, Christ, là-bas nous accorde des choses d'en haut. Quelles sont les choses d'en haut? Les promesses que Dieu a destinées. Les choses d'en haut, c'est quoi? Il exauce nos prières. Les choses d'en haut, c'est quoi? Il nous garantit le salut par des bénédictions qu'il nous accorde. Les choses d'en haut sont des bénédictions spirituelles. Les choses d'en haut sont quoi? Les choses d'en haut sont des grâces particulières que le Seigneur nous donne. On peut parler des dons spirituels, les dons qui nous amènent dans la spiritualité. On peut parler même de l'œuvre de Dieu. On peut parler de la force, c'est-à-dire des bénéfices même du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend, on reçoit l'effusion du Saint-Esprit. Mais après l'effusion du Saint-Esprit, on doit recevoir la manifestation des dons du Saint-Esprit, la manifestation de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies et de ses attributs. Donc, les choses d'en haut sont les choses liées à la spiritualité en Christ, c'est-à-dire les choses spirituelles que Dieu nous accorde par notre foi. Il a déjà accompli la première promesse qui est l'effusion du Saint-Esprit, la pluie de la première saison. Étant donné que nous sommes dans la dernière saison, il nous accorde la pluie de l'arrière-saison, tout en nous accordant les dons spirituels et les choses spirituelles, les bénédictions spirituelles liées maintenant à la pluie de l'arrière-saison, liées maintenant au Saint-Esprit qui descend sur toute chair en ce temps de la grâce, à la nuit de la grâce dans laquelle nous sommes à la veille de l'enlèvement. Donc ça, c'est le trône de la troisième fonction du trône de la droite de Dieu, c'est que Christ nous accorde les choses d'en haut, les choses qu'il nous a promis. Que le Seigneur soit glorifié. Quatrième fonction, Christ intercède pour nous depuis sa résurrection, depuis qu'il est monté au troisième ciel sur le trône de la droite de Dieu. Christ intercède pour nous. Alléluia. Christ intercède pour toi. Christ intercède pour chacun de nous depuis qu'il est monté là-bas. C'est pourquoi, bien aimé, je vois les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens ont peur, les chrétiens n'ont pas la foi. L'Écriture dit que Christ est le chef consommateur de la foi, que Christ nous accorde les choses d'en haut. Qu'est-ce que tu vas demander à Christ et il ne va pas t'accorder? Christ nous accorde toutes choses. C'est lui-même qui intercède pour nous au trône de la droite de Dieu. Et le Père, lui-même qui est le Père, sa dimension éternelle au septième ciel, lui-même en tant que fils prie au troisième ciel, et en tant que Père, il nous ordre depuis le septième ciel. Donc les choses quittent d'en haut, les choses quittent depuis l'éternité pour venir dans le temps, spirituellement. Mais au siège de la droite de Dieu, c'est là-bas que tout se passe. Nos prières montent au troisième ciel. Nos prières ne montent pas directement au septième ciel. Ça monte avant même, ça monte d'abord. Christ reçoit nos prières au troisième ciel, à droite de Dieu. Ayant reçu nos prières, il les transmet lui-même en accomplissant tout spirituellement. Puis c'est lui-même le Père, c'est lui-même le Fils, c'est lui-même le Saint-Esprit. C'est lui-même qui sert d'intermédiation entre ces trois attributs. Il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les titres là, c'est des titres. C'est des attributs. Mais c'est Jésus-Christ, c'est Christ lui-même. C'est Christ qui opère, qui est le Père, qui est le Fils, le Saint-Esprit. Donc quand tu pries sur la terre, tu as communication avec le Saint-Esprit. Toi, tu connais le Saint-Esprit. Quand toi, tu pries là, c'est le Saint-Esprit que toi, tu as communication avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui c'est le Saint-Esprit qui t'a donné. Mais le Saint-Esprit transfère ses prières au Fils. Ce n'est pas deux personnes, c'est la dispensation. Nous sommes au temps de la grâce. Et c'est le Saint-Esprit qui a été accordé. Le Saint-Esprit transfère tes prières au Fils. Le Fils reçoit les prières, intercède auprès du Père pour toi. Alléluia, regardez ce Dieu merveilleux. Comment ce Dieu opère? Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Lui, Dieu, va opérer en trois fonctions dans le temps pour que nous puissions accéder aux promesses qui sont accordées depuis l'éternité. Donc, Romains 8, verset 34. Qui les condamnera? Qui condamnera les élus? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Depuis qu'il est ressuscité, il est où? Il est à la droite de Dieu.
Et il est seigneur pour nous. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, à la droite de Dieu, Christ répand son esprit sur nous. À la droite de Dieu, Christ est le chef consommateur de nos prières. À la droite de Dieu, Christ nous accorde les choses en haut. Il exauce nos prières. À la droite de Dieu, Christ intercède aussi pour nous. De temps en temps, nous pouvons trouver quelqu'un qui intercède pour nous. Il est lui-même le Saint-Esprit, le Père, qui intercède pour nous et qui exauce nos prières. Alléluia. L'Écriture dit clairement qu'il est condamné à Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc si toi tu pries sur la terre, Christ intercède pour toi et il exauce. Donc Christ est lui-même celui qui répand le Saint-Esprit, celui qui est le chef consommateur de ta foi, qui fait de toi un chrétien justicier. Christ en même temps, celui qui t'accorde les choses d'en haut lorsque tu pries en t'affectionnant aux choses d'en haut. Les choses d'en haut sont les choses du ciel. Tu les reçois par Christ et il t'accorde les choses par le Saint-Esprit qui destine au Père en combinaison avec le troisième ciel. Alléluia. Et il fait quoi? Il intercède de temps en temps pour toi, pour que tu ne fléchisses pas, pour que tu ne tombes pas, pour que tu demeures ferme dans la sainte doctrine. Car il va nous dire, lorsqu'il voulait monter dans l'ascension, il dit, dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Baptisez-les, etc., etc., au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et étant avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il ne nous abandonnera pas. Il intercède pour nous. Ça, c'est la quatrième fonction du Christ à la droite de Dieu. Alléluia. Cinquième fonction du Christ à la droite de Dieu. Christ est l'avocat. Oh, nous avons un avocat. Tu as un avocat. Nous avons un avocat qui intercède pour nous. De temps en temps, si nous sommes dans les problèmes, il est le plaidoir, c'est-à-dire il plaidoie pour nous. Et nous, si nous avons un problème dans la dispensation de la grâce, allons au plaidoyer de notre Seigneur Jésus. Car dans la dispensation de la grâce, nous avons quelqu'un qui est Dieu assis au troisième ciel, qui siège et qui opère pour nous et qui intervient pour notre libération. Alléluia. Jésus-Christ est l'avocat. 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Auprès du Père, auprès du Père en réalité, quand on voit auprès du Père, ce n'est pas qu'il a compté physiquement. Voilà ce que les trinitaires pensent. Christ, ce n'est pas qu'il est physiquement, il est lui-même le Père. Il est lui-même le Fils, il est lui-même le Saint-Esprit. Mais c'est la dispensation qui change. C'est-à-dire, étant sur le trône de la droite de Dieu, il est auprès du Père. La droite de Dieu, c'est auprès du Père. Ce n'est pas qu'ils sont auprès comme ça. Auprès, c'est un mot qu'on peut comprendre, c'est comme une figure de style liée au Père, qui parle de la position où Jésus-Christ est à la droite de Dieu. Donc, Jésus-Christ auprès du Père, c'est à la droite de Dieu, au troisième ciel, à la dispensation du temps. Parce que la dispensation du temps, c'est la droite de Dieu qu'il utilise pour opérer. C'est Christ qu'il utilise, c'est Christ qui opère plutôt l'œuvre de Dieu dans les dispensations, dans le temps, jusqu'à la fin de tout temps, afin d'entrer dans l'éternité. Et ce Christ opère en tant que fils de Dieu, depuis la création, jusqu'au temps de la grâce, et du temps de la grâce, jusqu'au rétablissement de toutes choses, à la fin de tous les temps. Donc, nous avons un avocat qui fait quoi? Un avocat intercède pour nous. Un avocat plutôt intercède, oui, il intercède d'abord en tant qu'intercesseur, mais il intercède aussi pour nous. Il intervient, il comparaît pour nous à la face de Dieu comme l'avocat. Il est le plaidoyer lui-même. Il est le plaidoyer lui-même qui intervient pour notre justification. Que le Seigneur soit glorifié. Ça, c'est la cinquième fonction. Sixième fonction du trône de la droite de Dieu. Hébreux 10, verset 11 à 13. Hébreux 10, verset 11 à 13. Hébreux 10, verset 11 à 13. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices
qui ne peut jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, le même hier, jusqu'à la fin du monde. Il est assis pour toujours. Toujours, c'est quoi ici? Ça, c'est tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce que Christ va dire dans Matthieu. Matthieu 28. Alléluia. Matthieu 28, hein, je l'avais cité. Matthieu 28. Hein, le verset 20. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, toujours dans Hébreux 10, le verset 12 nous parle ici. C'est tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas pour l'éternité, non. Car la droite de Dieu, c'est une position qui exprime, qui manifeste la dispensation du temps et la position du Christ dans le monde. Et étant élevé au-dessus des anges, au-dessus de ses égaux et au-dessus de tous les êtres spirituels, démoniaques. Car il est Dieu dans le temps, Dieu dans l'éternité. Alléluia. Donc, Christ fait quoi? Christ s'est assis. Hébreux 10, 12, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Je l'ai déjà expliqué. Il faut que tous ses ennemis, parce que même que Christ a vaincu le diable par la croix et a vaincu le Seigneur des morts pour que les gens soient, ceux qui étaient dans le Seigneur des morts, soient sortis, délivrés. Comme le temps est toujours là, d'autres sont encore dans le Seigneur des morts, mais qui croient en Christ. Donc à l'enlèvement, Christ va les sortir. Il y aura une phase de la première résurrection où Christ va sortir les croyants qui sont dans le Seigneur des morts. À la fin de la grande tribulation, il y aura encore une autre résurrection qui est basée encore sur la première résurrection. Qui est une résurrection de tous ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête, mais qui sont morts, qui ressusciteront pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Et après cela, le Seigneur des morts, il y aura encore des gens dans le Seigneur des morts. Mais c'est les incroyants, ceux qui n'ont pas cru en Christ, ils ne vont pas participer à la première résurrection. C'est vrai l'Écriture dit, heureux ceux qui participent à la première résurrection. Car la mort n'a pas de pouvoir sur eux, le diable n'a pas de pouvoir sur eux. Donc ceux qui sont maintenus, qui ne sont pas ressuscités à la première résurrection, qui a deux formes à l'enlèvement et à la fin de la grande tribulation, et qui régneront 1000 ans avec le Seigneur. Si quelqu'un, ceux qui n'ont pas assisté à cette résurrection, c'est ceux qui sont dans le Seigneur des morts, mais dans le lieu de tourment, qui n'ont pas cru en Christ, qui sont dans le lieu de tourment. Donc ceux-là, qui sont dans le lieu de tourment, vont être ressuscités à la fin de tous les temps pour le jugement. Donc c'est nous qui allons juger ceux-là, les croyants qui ont participé à la première résurrection ayant deux phases. Donc nous allons juger ceux qui ne sont pas enlevés à la première résurrection, mais ceux qui sont dans le seuil des morts, dans le lieu de tourment. Donc quand ceux-là vont sortir du lieu de tourment, l'Écriture dit que la mort rendit ceux qui sont en elle, le seuil des morts, tout cela. Alors, le Seigneur des morts sera lui-même jeté dans le lac de feu éternel. Parce que même que le Seigneur des morts a été vaincu, le diable a été vaincu, pendant que nous sommes dans le temps, la mort a encore de pouvoir sur les hommes. Alors, pour engloutir la mort totalement, définitivement, la mort, l'Écriture dit dans l'Apocalypse que la mort, le feu, l'enfer et le Seigneur des morts sera jeté dans le lac de feu éternel. Donc, il faut que tous les ennemis de l'Église et de Christ soit totalement sous les marchepieds du Seigneur Jésus et de nous et en tant qu'Église jusqu'à la fin de la dispensation du temps jusqu'au jugement. C'est pourquoi l'Écriture va dire, je vous donne le pouvoir, Luc 19, de marcher sur les scorpions, les serpents et sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est là que nous recevons la parole du Christ parce que Christ les a mis sous ses pieds et ils sont sous les marchepieds du Seigneur. Et nous sommes sous les... eux aussi, les démons, les principautés. Et la mort est sous nos marchepieds. C'est pourquoi c'est nous qui allons juger les morts à la fin des temps, les morts sans Christ. Et le diable sera jeté, parce que c'est lui qui a la puissance sur la mort, sera jeté selon la prophétie pour le lac du feu éternel. Gloire à Jésus. Donc ça, au trône, voilà que tu m'as dit, dans le verset 13, Hébreux 10, 13, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Ça, c'est au trône de la droite de Dieu. La sixième fonction du trône de la droite de Dieu est Christ, et que Christ est le dominateur. Christ domine ses ennemis en les écrasant sous ses pieds.
Nous voyons dans Éphésiens 1, le verset 20 à 21. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. On décide de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ce qui veut dire que dans le temps de la grâce, Christ est le chef de l'Église. Mais Christ a donné l'autorité aussi à l'Église de dominer. Donc Christ est l'époux qui domine sur les adversaires qui les tient sous son marchepied. Et l'Église aussi, étant l'épouse, étant le corps de Christ, marié à Christ, a reçu l'autorité du chef, dominant aussi sur les êtres sataniques, les dominations sataniques, puisque Christ est la domination suprême de toutes choses. Alléluia. Donc, Christ domine et écrase ses ennemis qui sont sous son marchepied, sur le trône de la droite de Dieu. Maintenant, septième, parce que c'est sept fonctions. Vous voyez que chaque chose, souvent, ça tombe sur sept. Donc, les sept fonctions, comme septième fonction, lisons Éphésiens 2, verset 6. Septième fonction du trône de la droite de Dieu. Il nous a ressuscité, Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscité ensemble. Alléluia. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est la résurrection spirituelle. D'abord, selon la révélation, c'est la résurrection spirituelle que nous recevons lorsque nous croyons à Jésus-Christ, lorsque la victoire de la rédemption, de la résurrection de Jésus se manifeste sur notre vie. Mais en dehors de cette révélation, il y a aussi, selon la prophétie, nous allons être ressuscités. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ils vont s'asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Je vous explique. Je relis. Il nous a ressuscité ensemble et nous a fait ensemble asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans le temps de la grâce où nous sommes selon la révélation, comment sommes-nous ressuscités en Christ? Je l'ai dit, ça c'est la régénération, la résurrection spirituelle où nous devenons une nouvelle créature, nous qui étions morts par nos offenses, nous recevons la vie en Jésus-Christ. Maintenant, dans le temps de la grâce encore, comment Christ nous assoit dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Ça, c'est, il nous fait accéder aux choses de la spiritualité. Les choses que nous ne pouvons pas faire. Dans le lieu saint, ce que les sacrificateurs faisaient dans le lieu saint, il nous permet d'exercer le service dans le tabernacle au lieu saint. C'est-à-dire le ciel, c'est d'intermédiation avec le monde physique. Or, nous sommes le temple de Dieu. Donc, étant donné que nous sommes le temple de Dieu, notre esprit est connecté au Saint-Esprit qui a été donné dans le temps de la grâce. Donc, nous sommes assis dans les lieux célestes dans ce temps de la grâce parce que notre esprit a été régénéré, renouvelé, et notre esprit est à l'image du Saint-Esprit. Et nous pouvons accéder aux bénédictions spirituelles. Nous pouvons régner spirituellement sur la terre parce que nous avons reçu le pouvoir de dominer sur toutes choses. Mais selon la prophétie, comment nous sommes ressuscités pour s'asseoir dans les lieux célestes? Ça, c'est la résurrection physique des morts, de ceux qui sont morts en Christ, qui ressusciteront pour la rencontre de l'époux et qui seront assis dans les lieux célestes en attendant la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, nous ferons sept ans avec Jésus-Christ. Donc, ça, c'est les fonctions. C'est pourquoi c'est la dernière fonction du trône de la droite de Dieu, parce que c'est la fonction de la résurrection qui marque la fin de toutes choses. Du temps de la grâce. Donc la résurrection, la tempête de l'enlèvement de l'Église, est pour ceux qui sont morts en Christ une résurrection. Et le changement de corruptibilité en incorruptibilité. Et ceux qui sont sur terre en Jésus-Christ aussi seront changés. Et nous allons tous nous asseoir, nous tous qui sommes ressuscités spirituellement, nous allons nous asseoir avec ceux qui sont morts en Christ, qui sont ressuscités, qui vont nous rejoindre sur la terre pour que nous puissions être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça sera physique dans le ciel, selon la prophétie, mais aujourd'hui c'est spirituel dans le temps de la grâce à cause du Saint-Esprit qui est répandu, qui est le moteur de la dispensation de la grâce. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, comme septième fonction, selon Éphésiens 2:6, Christ nous ressuscite et nous accorde le Saint-Esprit, la transformation spirituelle
et nous permet, lors de l'enlèvement de l'église, de nous asseoir au troisième ciel avec Christ dans la gloire. Et c'est ça, les sept fonctions de la droite de Dieu. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Voici l'enseignement, la cinquième partie de notre série d'enseignements sur les sept aspects doctrinaux et prophétiques du trône de Dieu selon les dispensations. Et je crois que vous avez été nourris, vous avez été fortifiés, vous avez été régénérés par cette parole. Et je crois fermement que le Saint-Esprit va vous permettre de comprendre cet enseignement, de comprendre la cinquième partie qui vraiment a été enrichissant et qui a été nourrissant pour vous. Je vous rappelle les trois grandes parties de cette cinquième partie, les sous-titres. Le premier, c'est la discussion. Nous avons d'abord fait un résumé des autres parties. Après, le premier sous-titre, c'est la discussion du Père et du Fils, c'est-à-dire la discussion des deux dispensations. Après, nous avons parlé du trône de la droite de Dieu, qui est le trône de la droite de la majesté divine dans les cieux. Et comme dernière partie, nous avons compris maintenant les sept rôles ou fonctions du trône de la droite de Dieu dans la dispensation du temps. Je vous rappelle, je vous fais juste une lecture des sept rôles des fonctions pour qu'on puisse faire la prière finale. Donc les sept fonctions, et pourquoi c'est sept, il faut sept, et tout est sept selon les Écritures, parce que Dieu est Dieu parfait. Dans l'éternité, il est parfait, dans le temps, il est parfait. Premier, Christ reçoit du Père le Saint-Esprit et le répand sur les disciples, c'est-à-dire nous les croyants. Ça, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Le deuxième, Christ sur le trône de la droite de Dieu est le chef et le consommateur de la foi. Le troisième, Christ accorde les choses d'en haut. Les choses d'en haut, les bénédictions spirituelles au trône de la droite de Dieu. Quatrième, Christ intercède pour nous depuis sa résurrection, depuis qu'il est monté au trône de la droite de Dieu. Quatrième, et cinquième, Christ est l'avocat. Christ est l'avocat qui interagit au plaidoyer pour nous justifier, pour nous pardonner de nos fautes, pour nous sauver. Comme sixième rôle et fonction, Christ domine sur ses ennemis en les écrasant, en donnant aussi la force à l'Église d'avoir le pouvoir, l'autorité, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, et sur la principauté du malin, sur la domination de l'ennemi, et rien ne pourra nuire l'Église. Comme septième fonction, nous avons la fonction où Christ a donné assez aux élus, à l'Église, de participer aux choses d'en haut, c'est-à-dire d'avoir assez d'être ressuscité spirituellement, régénéré, transformé, délivré de la mort, ressuscité en ayant une vie vivifiante en Christ pour participer au trésor céleste, étant des êtres spirituels. Car l'Écriture nous dit dans 1 Corinthiens 15, le premier homme est animal, le second est spirituel. Comme Christ est spirituel, nous aussi nous sommes esprits et nous participons aux choses spirituelles ayant accès au ciel. Et à la fin, pour finir tout, nous comprenons que nous serons ressuscités pour l'enlèvement de l'Église. Et nous serons tous avec ceux qui sont morts en Christ, ressusciteront, et ceux qui sont vivants, tous nous serons assis dans les lieux très hauts au troisième ciel, dans la gloire de Dieu. Et nous serons avec Christ, puisque Christ a tout fait et nous donne la victoire sur nos ennemis. Donc, dans le temps de la grâce, nous bénéficions de toutes les promesses de la grâce et du trône de la droite de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur Jésus, Dieu glorieux, Dieu tout-puissant, merci pour cette séance d'enseignement. Merci pour cette longue série d'enseignements que tu m'as inspiré pour communiquer ta pensée, les mystères du royaume des cieux à ton peuple. Aujourd'hui, je crois que ton peuple comprend la droite de Dieu, les fonctions de la droite de Dieu, le rôle de la droite de Dieu. Ton église comprend maintenant que le Père n'est pas à part, le Fils à part, et que ce que l'Écriture dit dans Actes 7, 55, ne veut pas dire que la droite est une position physique à côté du trône éternel. Mais la droite de Dieu est spirituelle. Par cet enseignement, tu as montré que Jésus-Christ est celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus des égaux, au-dessus des anges. Tu nous as montré que nous avons la possibilité de prier, d'avoir la réponse, d'avoir les ossements. Tu es l'avocat, l'intercesseur pour nous. Béni soit ton Seigneur. Je prie que ton église soit nourrie par cet enseignement, soit fortifiée, régénérée par cet enseignement. Délivre ceux qui sont dans l'ignorance et aide les théologiens, les trinitaires à être délivrés de leurs pensées, de leurs raisonnements. Seigneur, conduis-nous
afin que la prochaine fois, nous pouvons continuer les autres aspects du trône pour la gloire de ton nom. J'ai prié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Jésus. Shalom.